vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous réserve ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Il va partir à Bordeaux. Oui. Waouh. Donc ça veut dire qu'ici, il va plus prêcher alors. Non, oui, ça va bien. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Bonjour, Eric. Tu vas bien? Oui, tu veux bien. Je suis trop content de te voir. Ah oui. Dis-moi, c'est par hasard que je suis venu ici. Alors, c'est-à-dire que toi, tu vas. C'est-à-dire que tu prêches ici, je ne savais même pas que tu prêchais ici. Non, c'est exceptionnel. Je prêche ici par rapport à la journée mondiale du pauvre. Oui. Et parce que chaque année, l'association Marseillais Solidaire des Morts Anonymes a décidé de venir prendre hommage aux personnes inhumées ici, à Saint-Péril. C'est super. Quand je cherchais, c'est pas un hasard. Je suis venu ici complètement par hasard. Alors, on sait très bien que le hasard n'existe pas. C'est une histoire. C'est de la providence. Eric, c'est super. Donc, Eric m'a dit que c'est exceptionnel, Anne-Marie. Je vous explique. Hein. Donc, on s'est vu, c'est pas par hasard, tu as vu. Tu m'as expliqué comment on s'est rencontrés? Oui, mais c'est pour nous. Tu m'as dit que j'ai ramassé le truc? Non, j'ai pas dit, Anne-Marie. C'est ça qui a attiré ton attention, en fait. Voilà, c'est ça exactement. Donc, il n'y a pas de hasard. Ce matin, j'ai prié pour que justement, je me suis dit. Je prévois rien, tu vois, je veux être conduit, comme on dit. Oui, parce que moi, ouais, d'habitude, le dimanche, je suis un peu... Mais alors, c'est super, parce qu'on le connaît depuis des années, Eric. C'est la dernière fois, il va partir à Bordeaux, tu me dis bientôt. Oui. Et moi, je ne savais même pas que tu prêchais ici. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit, non, mais je ne prêche pas ici, c'est exceptionnel que je viens aujourd'hui. Donc, grâce à toi, grâce que tu as ramassé le pain au chocolat, emballé, j'ai dit bien, emballé. c'est rigolo. Et bien, tu vois, ça m'a intrigué. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Oui. Après, on voit les gens, je leur dis, ouais, j'ai la chance. Bref, je suis trop content, j'ai la chance d'être venu ici.